avons donc utilisé le tocilizumab, ce médicament de la polyarthrite, pour traiter des patients qui ont une forme sévère de l'infection à Covid-19, des patients hospitalisés qui sont déjà sous oxygène. Ça concerne environ 5 à 10% seulement des patients infectés par ce virus. Ce médicament de la polyarthrite qui diminue l'inflammation de façon importante va réussir à empêcher cet orage inflammatoire qui survient environ au 8e, 10e jour de l'infection et qui va aggraver l'état respiratoire de ces patients.